immersion chamanique au quotidien. Laurence Mallet, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Oui. Vous êtes donc écrivaine. Oui. Vous avez écrit ce livre, L'inspiration chamanique au quotidien, avec Alexandra de Chezel. Exactement. Alors, parlez-nous un petit peu d'abord, qu'est-ce que c'est le chamanisme? Ok. Alors, le chamanisme, c'est une pratique dans laquelle on part du postulat que tout est animé d'une âme, donc animisme, on part de là. Donc c'est là depuis la nuit des temps. Et après, c'est comment retrouver en soi la nature. Et après, évidemment, nous avons des aides, des alliés, que ce soit des animaux de pouvoir ou des guides. Voilà. Je vous dresse un schéma en 4 secondes et demie, mais c'est à peu près ça. D'accord. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que là, il y a un livre, hein, donc, plus un CD avec de la musique. Exactement, et des méditations. Et des méditations. Voilà. Alors, la première question, quel est le lien entre le livre et le CD? Et la deuxième, pourquoi un CD avec de la méditation? Est-ce que la méditation fait partie de la pratique chamanique? Alors, la méditation fait partie d'un chemin de bien-être. D'accord. Et pour être à l'écoute de la nature et de notre propre nature, ça se fait en silence. Donc vous avez autant des méditations pour retrouver ce silence intérieur que des méditations pour des rituels qu'on propose, qui des fois peuvent paraître complexes. Une méditation sur 4 pages, vous devez faire ci, ça, ça. Et bien du coup, on propose, voilà, celui qui veut bien écouter et lire le livre, de l'accompagner. Pourquoi vous avez écrit sur ce sujet? Parce que je pense que c'est important qu'on retrouve notre vraie nature, qu'on soit en connexion avec notre âme. Et donc, avec Alexandra, on s'est dit vraiment que c'était nécessaire de sortir le chamanisme dans le contexte pour ceux qui pratiquent déjà et de le rendre profane, si vous voulez, quelque chose qui soit plus accessible pour des personnes qui ont peur de s'y mettre, parce que j'ai eu vraiment le cas. Ah non, ça me fait peur, je ne veux pas en entendre parler. Mais pour retrouver ce côté intuition et en connexion avec soi et la nature. Le sous-titre de votre livre, c'est pour vivre sa pratique personnelle. C'est le sous-titre de votre livre. Oui. La question, c'est est-ce qu'on peut considérer votre livre une méthodologie aussi, ou un guide? C'est un guide pratique, plutôt qu'une méthodologie. Hein. D'accord. Voilà. Donc vous donnez des trucs, vous donnez des exercices pratiques. Exactement. Donc on a choisi pour les directions de faire par la voie du compte, pour ne pas proposer une structure figée. D'accord. Donc il y a un compte par direction, un compte par élément, si vous voulez. Et après, chacun peut vivre sa pratique et dire, ben voilà, pour moi, qu'est-ce que la direction du Nord, par exemple. Donc, on parle beaucoup de chamanisme en ce moment, comme de développement personnel et toutes ces secteurs qui sont très tendances. Alors, personnellement, je le connais depuis très longtemps, mais on a l'impression qu'il y a une forme d'émergence là maintenant, comme s'il y a un besoin. Est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin? Je pense qu'il y a un besoin de se retrouver, on revient toujours à la même chose, de revenir à l'essentiel et d'être dans le sens sacré de la vie. Voilà, parce que ce qui était important, et pour Alexandra de Chezel et pour moi, c'était de retourner à quelque chose de sacré et de célébrer la vie, en fait. Sacré, c'est quoi pour vous, ce mot, la définition de ce mot? On peut l'interpréter de différentes manières, mais au fond, votre identification, votre définition? Alors pour moi, la définition, c'est de remettre l'homme au cœur de la vie, que ce soit en connexion avec la terre entière et avec soi-même, de retrouver ce sens spirituel. D'accord. Voilà, en relation avec le cœur, bien évidemment. D'accord. Donc l'amour est quand même quelque chose d'essentiel dans notre parcours. Oui. Avec un grand A. Donc, oui, c'est ça. On est bien d'accord. Voilà. Laurence Mallet, vous êtes éditrice également de la maison d'édition La Source Vive. Dites-nous quelques mots à ce sujet. Alors, La Source Vive, j'y suis arrivée il y a 2 ans et demi. Et donc, c'est une marque éditoriale des éditions Infolio qui fait plutôt dans l'architecture et les beaux-arts. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'y rentrer et ça me tenait à cœur vraiment de pouvoir éditer des personnes dont je pensais que la voix devait être entendue. Voilà. Mais éditer des auteurs qui sont proches de ceux que vous écrivez, ou est-ce que vous avez un éventail d'auteurs différents? Alors c'est un éventail, ça va de la santé au bien-être, d'accord, en passant par la spiritualité et un petit peu de chamanisme. D'accord. Voilà. Vous êtes basé en Suisse? Oui, à Goyon, donc dans le canton de Vaud. Parfait. Voilà. Est-ce que c'est votre premier livre ou est-ce que vous en avez écrit d'autres? Alors en tant qu'auteur, c'est mon premier livre. J'ai écrit une préface dans un livre que j'ai édité, mais voilà. Quels sont vos futurs projets en tant qu'écrivaine? Est-ce que vous en avez? Oui, j'en ai déjà un. Vous pouvez en parler un tout petit peu? Oui, je peux en parler comme ça. Je suis sur la fabrication d'un oracle. D'accord, donc des cartes? Oui, des cartes. D'accord. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, ça me parle bien. Moi, Laurence Mallet, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est merci infiniment pour ce très très beau témoignage. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous. Donc, l'inspiration chamanique au quotidien.
écrit par Laurence Mallet et par Alexandra de chez elle. Exactement. Donc on dit un livre à deux mains, voilà. C'est quatre mains en réalité. Merci infiniment et on se retrouve très très bientôt. Avec grand plaisir. Merci.